of solving a lot of problems that we've got in this country. And a man can't get himself together until he know who he is and be proud of what and who he is and where he come from. Bonjour, je m'appelle Mario. En 2012, il y aura 20 ans que j'ai atterri dans ma famille adoptive à Montréal. J'avais 1 an. Afin de commémorer cet anniversaire, j'ai décidé de réaliser un des rêves de mon père Richard Nicole, de lui faire un gros cadeau de Noël. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais appel à mes parents et amis, à ceux de mon père et à ses collègues. En 20 ans, je suis devenue blanche en dedans, mais je suis restée noire dans le regard des autres. Mon père, lui, est devenu noir en dedans, mais il est toujours blanc pour ceux qui le regardent. Durant 20 ans, nos cœurs et nos âmes se sont croisés, ont progressivement fusionné. Nous sommes une petite famille métissée. Il s'est toujours intéressé à l'identité culturelle et depuis 10 ans, à l'histoire des peuples noirs. Pour réaliser le rêve de mon père, voyager avec lui et co-construire notre projet, il me faut ramasser 6 000 $. C'est beaucoup pour moi, mais j'espère qu'ensemble, vous, vos amis, les miens, nos collègues, les parents adoptifs et les enfants adoptés, nous y arriverons. Toutes les informations nécessaires sont contenues dans ce courriel, mais n'hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. De trahine, combien fois nos siècles ont envahi, saccagine, puis mal passé, y'ont condamné cocaïne. Y'a piline, d'un fond qu'un moins de son goût maligne. Chaque fois mauvais, j'ai malgré ses points, coco de couline, pas qu'à coule, non. Tout comme moi, marré, n'ayant tout poignet.